Nous sommes sur le chantier du pont de Bassawa. C'est un pont en construction sur le fleuve Komoé. Il va désenclaver le village de Sérébou. Ce village, situé dans le département de Pricro, dans la région de Lifou, amorce son développement. Il y a des maisons qui étaient sur les emprises de la voie ou qui sont encore sur les emprises de la voie. Il fallait déplacer les populations, n'est-ce pas, de leurs anciennes maisons pour les reloger dans les nouvelles maisons. Donc, on a pris le plan de lotissement du village et les propriétaires des anciennes maisons ont pu indiquer des lots sur lesquels ont été bâties de nouvelles maisons qu'on doit réceptionner très bientôt. Jusque-là, aller d'une rive à une autre, les usagers ont recours aux pirogues et à un petit bac. Cet ouvrage a redonné de l'espoir aux populations avec la construction de maisons modernes dans le village et la création d'emplois pour les jeunes. Nous sommes trop contents parce que nous savons que quand le pont serait bien, que les camions vont commencer à vêtir ici et à rouler ici, ça serait un grand bénéfice pour nous. Le voyage, le déplacement serait facile pour nous. Bon, tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas, ça va bien marcher. Et puis le coin aussi est développé parce qu'avant, ça n'était pas comme ça. Quand l'eau là monte, il y a des moments quand ça arrive, on arrête au moins 2 mois. Pourquoi? Parce que l'eau est montée, on ne peut pas faire notre traverse. Bon, ça entraîne que le câble était dans l'eau, donc ça ne peut pas traverser. Le pont de Bassawa va favoriser les échanges commerciaux et culturels entre plusieurs régions. Celle de Lifou, du Hambol, du Gbeke et du Gontougo. Ce pont est réalisé par un groupe portugais. C'est un pont avec 150 mètres, 4 travées de 38 mètres chaque. Et à côté, 2 km de route de chaque côté du pont. Les travaux avancent normalement. Nous avons l'espoir que jusqu'au milieu de juin de 2015, le chantier sera terminé. Ce projet de la construction du pont de Bassawa s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Les travaux ont démarré en janvier 2014. D'un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA, ce pont est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale.